Alors pour moi, il n'en a qu'une, c'est la laïcité, point. Alors c'est vrai que certains ont parlé de laïcité positive, comme si finalement avant elle était négative. Je crois me souvenir que c'est Nicolas Sarkozy qui est le premier à évoquer ce terme de laïcité positive. Maintenant, on parlerait de laïcité ouverte. Ouverte parce qu'on serait prêt à accepter certains renoncements finalement par rapport notamment à la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l'école, d'essayer d'accepter effectivement des renoncements. Donc pour moi, non, il y a une seule laïcité. Je n'accepte pas ces notions de laïcité ouverte, de laïcité positive. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à un gros problème de compréhension de ce qu'est la laïcité. Quelle est-elle pour vous précisément? Pour moi, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous. Et je crains qu'aujourd'hui, elle soit perçue, cette laïcité, comme plutôt comme un interdit.